Ce riff qui date des années 60, on va s'installer tranquillement. Moi j'aime bien utiliser le majeur en fait, ici, cinquième case, petit doigt, et je joue avec trois doigts en fait, et l'index déplace, hein. Tout est en palm mute, c'est à dire j'utilise cette partie là de la main pour étouffer légèrement les cordes, et j'essaye de nuancer les attaques, c'est à dire que ça c'est tout doux, et là c'est un peu plus fort. Si vous avez bien regardé ma main droite, j'utilise aussi un moment un coup vers le haut en fait, qui va être sur l'accord de sol ici en remontant. Donc tout doucement, je vais tout détailler. On joue 5e case, 7e, 4e, je glisse avec l'index. Je joue l'accord de ré. Et là, sur le sol, je fais bas. Ce qui est important, c'est de bien respecter chacun des coups de médiator en fait, les sens du médiator, est-ce que c'est vers le bas, est-ce que c'est vers le haut. Donc tout est vers le bas sauf sur l'accord de sol où on fait bas, et il y a des ghost notes. Pour le pont, il y a plusieurs possibilités. Celle que je viens de vous montrer, c'est évidemment la plus compliquée, où on a les dyades. Alors je sais pas si le terme existe vraiment, moi je connais le terme triade, mais des fois il y en a un, il a dit dyade quand il y a deux notes. Triade évidemment, ça je suis sûr ça existe, ça a trois notes. Apparemment quand il y en a deux, eh bien c'est les dyades. Je suis pas trop sûr, je pense que c'est un peu un abus de langage, mais je vais vous montrer quand même comment le jouer. Avec la main droite, j'utilise la technique de l'hybrid picking. C'est ce qui sonne le mieux de toute façon. Après, on peut jouer autrement. Il y en a, ils font peut-être que au doigt. Il y en a, ils font peut-être au médiator. Mais ce qui sonne le mieux ici, c'est l'hybrid picking pour jouer les deux notes en même temps. Et je vais utiliser ces deux doigts-là qui sont annulaires et majeurs. Je me mets ici sur un accord de ré majeur en fait. 5e case, 4e case, donc de la et ré. Et cette position-là, je vais la déplacer. Notamment quand vous avez appris votre accord de Do majeur, et en fait c'est comme si on le déplaçait. C'est ça la bonne technique pour utiliser cette, pour jouer sur ce pont. Si vous utilisez d'autres doigts, ça risque de vous embrouiller. Ça marche pas très bien comme ça en fait. On n'a pas un bon équilibre. Le bon équilibre, il est avec la main ouverte, on est bien installé, et là je joue donc médiator et majeur pour l'hybrid picking. Hein. Je rappelle, c'est un mélange donc hybride, l'hybridation du médiator et du jeu au doigt. L'index, je reprends ma position, l'index ici, et on revient. Si j'en parle, c'est parce qu'en fait c'est très difficile à jouer proprement, ok? Donc une autre version un peu plus facile pour les autres guitaristes qui fait. Ou là je ne détaille même pas tellement c'est facile. Donc, il y a une dernière partie que je vais vous montrer pour cette guitare 1, parce qu'après, il y a aussi la guitare 2, toujours avec le palm mute ici.
intéressant de suivre les chanteurs, c'est-à-dire de monter de plus en plus. Au début, on a très peu d'attaque, de dynamique. Et on monte. Ça, c'est pour la sortie du pont. On va retrouver la même partie en outro, donc la fin du morceau. Et il y aura une petite montée chromatique assez intéressante à jouer. Je vais tout de suite vous le faire. J'utilise un voire deux doigts seulement, c'est ce qui est le plus facile. Une case en case, ça vous avez vu sur la partition, je vais juste préciser en fait le dernier accord que j'apprécie jouer avec l'index et l'annulaire en fait. Je joue en pointe avec l'index barré sur le côté avec mon annulaire. L'autre possibilité c'est d'aller le chercher là, beaucoup moins ergonomique, mais si vous aimez la sonorité de la corde de si, c'est possible que vous utilisiez celui-ci. En gros, quand j'enregistre, j'aime bien utiliser celui-ci parce que je le trouve beaucoup plus doux. Mais en concert, je préfère utiliser celui-ci pour lever la main. Et n'oubliez pas notre petite chorégraphie de fin où on prend une pause. Alors, il y en a qui font comme ça, je sais pas, il y en a qui font plus comme ça. On peut prendre une pause sur l'accord final. La danse des Beatles, ne l'oubliez pas, on oscille de gauche à droite, tous comme ça, les dents bien présentes. La guitare 2. Pareil, super facile, les accords, c'est Ré, Sol, basse de Si, c'est son nom, et La majeure. Je voudrais préciser, et qu'on soit tous d'accord sur les coups de médiator que l'on va utiliser. C'est Ba, Ba, O, Ba, O, Ba. John Lennon, c'est assez marrant parce qu'on croyait qu'il ne sait pas chanter et faire des allers-retours à la guitare en même temps, regardez. Et il le chante quand il fait que des couverts le bas en fait. Et ça rend un truc génial parce que la difficulté, c'est pas de bien faire sonner à la guitare un morceau de Joe Satriani, c'est de bien faire sonner à la guitare un morceau de John Lennon où il y a trois accords. Et la façon dont on va le faire pour bien faire, qu'on va faire pour bien faire sonner, on va utiliser les accords avec beaucoup de différence en fait. On fait là, déjà c'est assez doux, et là on bloque et on monte. Un peu comme si on jouait sur une guitare acoustique avec des grands mouvements et beaucoup d'amplitude au niveau de la main droite. Pas de double croche, on joue tous pareil, c'est que des croches. Hein. Je sais que dans la version originale, il y a des doubles croches qui sont utilisées à la guitare, mais là on ne le fait pas parce qu'elles sont mises à des endroits, des positions complètement aléatoires au sein des mesures et du morceau, et on ne ferait pas tous les mêmes choses. Donc comme nous, pour jouer à 1000 musiciens, on a décidé de faire exactement la même chose, on doit tous faire exactement... Ok ? Dernier passage pour la guitare 2. On a un moment après le pont qui est aussi utilisé à la fin, c'est comme pour la guitare 1, où on fait ba, 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 ba. Pour les apprentis du solfège, c'est le premier temps, le et du 2, et le quatrième temps. Si je compte, ça fait 1, 2 et 4, 1, 2 et 4, 1, 2 et 4, 1, 2 et 4. Ok ? Allez, on se retrouve pour les autres morceaux où ça va cartonner. Salut, bye bye!